Donc David, comme promis, on va faire un point sur le Smart Portfolio et vous allez nous présenter un actif à la loupe. Et cet actif que vous avez choisi, c'est Yield King. Qu'est-ce qui vous a séduit? Alors, Yield King, alors tout d'abord les performances, hein, ouais, je vais vous montrer ça tout de suite et vous allez même vous être séduit par les performances de ce portefeuille, qui est un portefeuille qui réalise quand même 32% de gains depuis le début de l'année C'est pas avec un mal. drawdown. Et alors attendez, parce que le drawdown est vraiment très faible, parce qu'on est sur un drawdown annuel à maximum 5%, donc un drawdown, c'est-à-dire, imaginez-vous, vous copiez cette stratégie au pire moment dans l'année. Au pire moment dans l'année, vous auriez perdu 5%. C'est-à-dire que si vous aviez investi pour 1000, vous auriez perdu 50 $. Donc c'est quand même assez faible, surtout pour un gain potentiel de 32,99%. Donc on voit vraiment que le ratio rendement-risque est vraiment présent sur ce portefeuille. Alors en plus de ça, le portefeuille Yield King, il est intéressant parce que contrairement à beaucoup de portefeuilles thématiques qui va investir dans une thématique de marché, hein, comme par exemple on parlait des secteurs on parlait des actions du cannabis, donc ça peut être un exemple de smart portfolio, on en a d'autres, ça peut être les grandes tech, les grandes banques, etc. Yield King, en fait, il va vraiment se concentrer sur la distribution des dividendes et essayer d'allouer en fait un portefeuille dans les entreprises qui vont être les plus gros payeurs de dividendes, donc on va retrouver des entreprises surtout industrielles, hein, c'est surtout eux les gros payeurs de dividendes, c'est rarement les entreprises tech. Donc on va retrouver des entreprises, notamment les entreprises pétrolières, on va retrouver des entreprises financières comme le géant financier BlackRock. Dans les entreprises pétrolières, on va retrouver Royal Dutch par exemple, on va retrouver d'autres sociétés comme Oracle, le géant du cloud américain. Qui aussi distribue un assez fort dividende et parmi les entreprises avec un des dividendes les plus forts. Donc on va retrouver exactement 15 actions, la plupart sur, enfin 15, on va retrouver 14 actions et un ETF, la plupart allouées sur le marché américain, à part British American Tobacco et Bayer. La plupart, on est quand même sur des actions américaines, hein, Expedia, BlackRock, Alphabet, etc. On va retrouver aussi l'ETF IWM. Donc IWM qui est en fait l'ETF qui est investi sur le Russell 2000. Donc les 2000 principales entreprises et qui va permettre justement aux personnes d'avoir une exposition vraiment, vraiment large. Et donc, c'est l'un des portefeuilles qui va vraiment sélectionner les actions qui payent, comme je le disais, un dividende important et permettre aux gens qui ne savent pas forcément quelles sont les entreprises qui payent des dividendes ou non, ou s'ils n'ont pas forcément envie de chercher par eux-mêmes, de pouvoir s'exposer à ce marché. Donc le minimum d'investissement pour s'exposer à ce marché, il me semble qu'on est à 1 000 $ l'investissement. Donc à partir de 1 000 $, à 2 000 $, excusez-moi, à partir de 2 000 $, le portefeuille est disponible à l'investissement sur eToro et il est ouvert à tous. Et pour ceux qui souhaitent juste le voir et regarder la composition du portefeuille, c'est aussi possible et ça à titre gratuit.